Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Coucou, bienvenue, bienvenue. Super, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau live. J'ai l'impression de pencher un peu. Alors dites-moi dans un premier temps si vous m'entendez bien. Voilà, avant que je commence à bavarder avec vous. Et surtout, faites-moi signe sur les commentaires que je m'assure que tout fonctionne correctement. Je vous vois arriver, mais pour l'instant, je n'ai pas encore de retour de vos commentaires. Hop! Et oui, ça y est, ça recommence. Le son est OK, si, ça y est, ça fonctionne. Coucou, oui, Prums, ma routine. Coucou Laurence, hello Coco, Héloïse. Coucou Sandrine. Je crois que... Pardon, tout est parfait. Fidèle, les nouveaux sont là. Le son. Oh, merci ma biche. Bonjour Nathalie. Coucou Evelyne. Super, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Juste, mon téléphone a décidé de me contrarier aujourd'hui et de ne pas m'afficher vos commentaires. Je vais essayer de régler ça. En attendant, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes content et contente de partager avec moi ce nouveau live. Aujourd'hui, nous allons faire donc une carte pop-up. Ah, t'es à Néry, tonton, super. Bah, bonne cure alors. Bonjour Viviane, coucou Cécilia. Ah, Martine, Marotine, bravo. Tu as fait tes yeux de biche. Coucou Virginie. Super, alors n'hésitez pas à inviter vos amis si vous en avez envie pour qu'ils ou elles d'ailleurs partagent ce live avec nous. Hop. C'est bon, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça fonctionne. Coucou Muriel. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Merci tonton. Coucou Isa. Hello Sandrine. Merci Daniel, moi aussi je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. C'est top. Bon. Alors, je vois qu'il y a des différentes choses ici. Non, c'est bon. Coucou Émilie, ça va ma belle? Alors, aujourd'hui, pas mal de petites choses à vous dire. Donc, notre live, vous le savez. Vous l'avez peut-être vu aussi demain matin à 10h. Coucou Corinne, bonjour Marianne, hello Mumu. Demain matin à 10h. Donc pas d'inquiétude pour les personnes qui vont suivre le live de Aude après. Ça ne va pas durer longtemps. Je veux juste prendre quelques minutes avec vous. Merci Laurence pour voilà, vous parler un petit peu du programme de l'été. Savoir un petit peu ce qui va se passer en juillet et en août sur ma page, parler des vacances, etc. Donc, on va prendre le temps donc demain matin, hop, de se retrouver à 10h et puis je vous expliquerai un petit peu tout ça. Ça sera pas très long, vous verrez. Je vais partir en vacances, mais je ne vous abandonne pas pour autant, vous verrez ça demain. Donc, je vous invite à 10h demain matin pour ce live exceptionnel sur la page Harmoniscrap. Demain aussi, vous avez... Oui, pas de souci, il y aura bien sûr le replay comme d'habitude, hein, la vidéo va rester sur ma page, ne vous inquiétez pas. D'autre part, demain, il y a une nouvelle promo qui arrive et j'espère que ça va vous plaire. Regardez ça. Coucou maman, bonne séance chez kiné, je t'embrasse. Et oui, une nouvelle promo, la promo des papiers de série design. Moins 15% pendant un petit mois. Donc c'est le moment de vous faire plaisir et de faire du stock avec vos... On dira rien Corinne, t'inquiète pas. Vos papiers coup de cœur, vos papiers chouchou, voilà, dès demain. Donc, il vous suffira de vous rendre sur ma boutique en ligne avec le code de test donc, que je vous donnerai dès demain matin. Ouais, c'est vraiment top, Cécilia, parce que du coup,
Voilà, on peut faire un petit peu de stock pour faire nos différents projets. Et puis du coup, avec une promo, c'est pas négligeable, hein. Coucou Fabienne, ça va ma belle? Donc voilà, ça, cette promo, elle commence dès demain. D'autre part, vous savez que je vous avais proposé aussi des mini-kits échantillons, des nouveaux ornements et rubans du catalogue annuel, uniquement les nouveaux, hein, attention. Donc vous avez le lien au-dessus ou en dessous, d'ailleurs je ne sais pas trop où ça s'affiche sur votre écran de la vidéo, pour pouvoir voir un petit peu ce que je vous propose pour ce mini-kit. Attention, les inscriptions se terminent vendredi. Coucou Nadine, ça va Karine? Hello Jean-Luc et Chantal. Donc voilà, vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire si ce mini-kit vous intéresse. Et puis, dernière petite chose avant que l'on parte sur notre live créatif à proprement parler. Oui, ma belle. vous le savez, ça va pas mal, Karine, je te remercie. Nous, les démonstratrices et démonstrateurs, nous avons déjà eu la chance de découvrir le mini catalogue août-décembre 2021. Avec lui à l'intérieur, les collections automne, hiver, Noël, etc. Oui, je sais, nous sommes à peine en juillet, mais comme tout travail, vous savez, il faut anticiper les choses. Mais ça ne vous dérange pas, je pense, pour la plupart d'entre vous. Vous avez d'ailleurs, je le sais, hâte de le découvrir. À ce sujet, deux choses, les personnes qui sont déjà clientes avec moi et qui m'ont passé commande depuis le 1er janvier, vous n'avez absolument rien à faire. Je vous envoie votre version catalogue dès le mois de juillet. Le temps de préparer tout ça, vous vous en doutez. Par contre, pour les personnes qui n'ont pas encore de démonstratrice ou démonstrateur attitré et qui seraient intéressées pour recevoir ce mini catalogue, aucun problème. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien pareil que je vous ai mis en haut de la vidéo ou en bas, je ne sais toujours pas. Vous avez un formulaire à répondre pour que j'ai vos coordonnées et comme ça je pourrai vous envoyer sans problème votre mini catalogue. Coucou Rachel, comment ça va? Voilà, vous avez les principales infos. Si bien sûr vous avez des questions sur ce sujet, ce que je viens d'évoquer, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé par exemple ou un mail, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, la fameuse création d'aujourd'hui, une carte pop-up toute simple avec un pliage original, vous allez voir. J'ai utilisé pour la présentation la collection félin au naturel. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler beauté féline. J'ai ça en tête en permanence. Félin au naturel, je suis obligée de réfléchir pour pouvoir dire le nom de la collection. Mais c'est sympa aussi, beauté féline, non? Voilà, parfois le cerveau a quelques lubies, on ne sait pas trop pourquoi. Alors oui, je vois dans les commentaires que pour certains et certaines d'entre vous, la météo n'est pas très clémente en ce moment. Croisons les doigts pour que ça s'arrête vite et que le soleil et la chaleur nous rejoignent rapidement. Bonjour Magali. Oui, je sais pas pourquoi. Ouais, je rebaptise la collection. Je peux pas vous dire pourquoi. Mon cerveau fatigue peut-être. Mais bon, ça va. C'est quand même assez proche, hein, vous avouerez. Donc, c'est pas très grave. Ah, ma petite Cathy, plein de bisous à toi, ma belle. Plein de courage. Je t'embrasse fort, fort. Alors, eh bien, écoutez, après tous ces petits papotages, je vous propose donc de basculer sur l'autre caméra et puis que nous démarrions la création de cette petite carte. Vous allez voir, elle est très simple à réaliser. Coucou ma Aude, ça va ma belle? C'est même plus sympa comme nom, beauté féline. Ah bon, bah voilà, c'est super alors. Aude, je suis en train de rebaptiser les collections Stampin' Up. Enfin, mon cerveau surtout. Sandrine, t'es une vraie chippie. Allez, hop, c'est parti. Voici donc la carte que je vous propose de faire aujourd'hui. Elle est toute simple, vous verrez. Et très rapide à faire, du coup, on peut en faire plusieurs exemplaires.
Oui, bah oui, j'aurais dû me taire. En fait, mon cerveau bug et plutôt que de nommer correctement la collection félin au naturel, mon cerveau bug et du coup j'ai en permanence dans la tête beauté féline. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, mais a priori ça plaît, donc bon, why Voilà. Tu as ta réponse. Mais mon cerveau ne fait ça que pour une collection, hein. Les autres, ça va, ça passe. Bonjour Nicole. Je sais pas, j'ai des bugs comme ça que je ne saurais expliquer. Remarque? Bah ouais, tu valides aussi? Bon, super alors. C'est top. Nickel. Alors, c'est parti, on y va, on démarre notre petite carte. Donc, vous l'avez vu, hop. En photo déjà, je vous la montre ici. Voilà. Avec cette superbe collection, avec ce magnifique tigre qui est tamponné. C'est ça, Mumu, t'as tout compris. Et elle s'ouvre comme ceci. Ça permet de bien mettre en valeur, encore une fois, le super papier design. Voilà comment elle se présente, vous allez voir, c'est un pliage qui est vraiment tout simple, mais du coup qui change un peu. Je vois plein de petits cœurs, super, ça a l'air de vous plaire, ça me fait super plaisir. Alors je vais essayer de zoomer, vous allez voir, j'ai utilisé là pour l'instant, vous ne voyez pas très très bien. Alors voilà, normalement vous voyez apparaître le papier blanc ici, et en fait c'est un plioir de gaufrage de la collection qui est vraiment trop joli. Oui, c'est un petit peu carré, c'est vrai que ça change un petit peu, je trouve. Voilà, donc j'ai fait cette présentation en l'ouvrant de base en haut. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, décider que votre carte soit sur le côté. Dans ces cas-là, il faudra juste faire attention. Merci Aude. Ouais, je sais, c'est pas toujours évident avec mon réseau, mais bon. Du coup, il faudra juste faire attention lorsque vous poserez, bien sûr, votre papier et votre tamponnage ici. Oui, je sais, Louise, que t'accroches pas avec la collection. Je sais, ma belle. C'est où on... Il y en a qui l'adorent, il y en a qui n'accrochent pas trop, il y en a qui au début c'était limite, et puis en fait, à force de voir des choses faites avec, finalement, eh bien, du coup, ma petite Laurence, je te réponds tout à l'heure, ma belle. Hop. Qui finalement, au fil du temps, en découvrant des créations, trouve ça assez sympa. Donc voilà, mais c'est absolument pas grave si tu n'accroches pas du tout avec cette collection, il n'y a pas de souci. Alors, hop, c'est parti, je prends tout mon matériel. Alors là, je suis partie sur la couleur ocre roussillon que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, pour réaliser cette carte, hop, je pars sur nos nouvelles Incolor, à savoir soyeuse succulente et épinette enivrante. Ah, j'ai pas gaufré déjà mon papier, bon c'est pas grave. Alors, c'est parti. Émilie, ouais, je sais que c'est pas grave, hein, vous avez le droit, hein. Merci Sandrine, c'est gentil. Alors, comme d'habitude, vous le savez, vous avez hop ici la liste des mesures dont vous avez besoin pour réaliser cette carte. Vous l'aviez également dans la publication de l'événement. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de préparer les papiers, si vous êtes un peu perdu pendant le live, pas de panique. À la fin du live, chaque semaine, à chaque fois, je republie donc le replay de la vidéo, la fiche technique avec toutes les mesures et également la liste des produits que j'ai utilisés pour chacune des versions que je vous propose à chaque live. Ok? Donc, pas de panique, on y va tranquille. Donc, vous avez les mesures ici, je rappelle, la base de carte, par exemple, 27,4 par 10,5. Ok? Ça marche? Alors, pour cette base de carte, ça va être très simple. Vous allez voir, il y a juste deux plis à faire. Du coup, ça ne va pas être compliqué du tout. Pendant que je récupère, du coup, mon matériel, enfin que je monte ma machine,
Hop, je vous affiche à l'image déjà le premier schéma, donc pour les plis de la base de carte. Hop, voilà, je prends mon papier. Voilà, ça vous aide. Et du coup, vous allez même pouvoir démarrer si ça vous dit en attendant. Alors, hop. Voilà. Je vais juste prendre mon QR de gaufrage qui a décidé de ne pas s'ouvrir. Voilà. Hop, comme ça, je vais pouvoir aussi gaufrer mon papier. Alors, c'est bon, vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Hop. Ah, bah tu vois, Karine, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Allez, c'est parti. Je prends ici. Donc, cette base de cartes, le premier pli que nous allons faire. Alors, j'ai un petit souci de place, mais je vais finir par y arriver. Voilà. Le premier pli se fait à 10 cm. Coucou Louison, ça va ma belle? Évidemment. Mon zoom fait la tronche. Voilà. J'essaie juste de faire un réglage de mon zoom. Hein. Voilà. Donc, le premier pli, vous l'avez vu sur le schéma, est à 10 cm. Bonjour Karine. Et le second est à 13,7. Croyons, Sandrine, t'as été plus rapide que moi. Voilà, nous avons déjà les plis de notre base de cartes, tout simplement. Hop. Si jamais vous avez votre petit millimètre qui dépasse ici, n'hésitez pas à venir le recouper. Ça peut arriver, hop, au moment où on plie. Donc, il suffit de le retirer, voilà, tout simplement. Donc, cette base de carte, elle est comme ceci. Donc, vous décidez hein, de l'ouverture que vous souhaitez avoir, d'accord? Et en fait, ici, nous viendrons coller ce premier pli, là. Vous voyez, celui-ci. Nous viendrons le coller, hop, comme ceci. Ainsi, nous aurons l'ouverture de notre carte. OK? Alors, tout le reste, vous allez voir, est très très simple. On va attaquer la partie, alors, compliquée est un bien grand mot, croyez-moi. Peut-être la partie la plus technique et encore, c'est-à-dire avec notre morceau de papier design qui mesure 14 par 14, d'accord? Donc là, très simple, 14 cm par 14 cm. On va venir y faire 3 plis, ni plus ni moins. Pour cela, vous décidez dans un premier temps du côté que vous souhaitez voir apparaître à l'ouverture de votre carte. C'est-à-dire qu'ici, moi je voulais que ce soit les guépards qui apparaissent quand j'ouvrais la carte. D'accord? Ok? Donc vous choisissez ce que vous voulez ici. Ah Louison, je suis contente que ça te plaise. Les petits bourrelets, c'est ça Karine. Ah oui, les petits boudins, les petits bourrelets, je ne comprenais pas. Oui, Sandrine, je crois que c'était, ça s'est passé à un des lives où tu travaillais, ma belle. Et du coup, ils sont fait un petit délire sur les petits bourrelets, tu sais, les petits bourrelets que provoque le pliage du papier avec le massicot. Voilà, donc il y a eu un petit délire, un petit délire sur les bourrelets de papier. Voilà, et tu les connais. C'est un petit peu parti un petit peu plus loin. Alors, donc, je disais, on décide du côté que l'on souhaite voir apparaître à l'ouverture de notre carte. Bah oui, forcément. Hop. Dans un premier temps, nous allons plier notre papier comme ceci, avec donc la face que l'on veut voir visible à l'intérieur. Ok?
Tout simplement. Voilà. Oui, c'est bien ce que je disais, c'est parti en vrille. Hop. Ok, on le réouvre et on vient plier à nouveau une deuxième fois. Toujours avec le motif souhaité à l'intérieur. Voilà, on se retrouve tout simplement avec du coup 4 carrés. D'accord ? Maintenant, je repose la face que je souhaite voir apparaître. Je la mets côté bureau. D'accord ? Et je viens plier mon papier une seule fois en diagonale de pointe à pointe. Bonjour Annie, comment ça va? Alors, vu que je suis un peu loin, je suis en train de faire ça comme une cochonne. Je me crois encore jeune à voir clair de loin, mais c'est plus le cas, nos pauvres amis. Alors, on va faire ça autrement, puisque tu as décidé de m'agacer. Voilà. Voilà. Eh bien, écoute, Annie, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Voilà. Donc, ça y est, on avait donc nos 4 petits carrés et puis notre diagonale. Maintenant, il suffit simplement de venir laisser les plis faire leur travail. Tout simplement. Et on se retrouve là tout de suite avec un petit carré. Voilà. Et votre mécanisme est prêt. Ça va faire comme ceci. Alors, est-ce que tout le monde a compris donc le système de pliage? On choisit le motif que l'on souhaite voir apparaître. On plie une première fois avec le motif à l'intérieur. En deux, on réouvre de nouveau en deux comme ceci. On retourne, on plie en diagonale. Et ensuite, on laisse simplement, on se laisse guider par les plis du papier. Voilà. Je pense que c'est bon pour tout le monde. C'est très très simple à réaliser. Hop. Ça y est, ils sont repartis sur les bourrelets. Ça me fait penser à une grenouille en origami. Oui, oui, on s'approche un petit peu de l'origami, effectivement, vous avez raison. Exactement. Alors, hop, ça c'est bon. Et en fait, tout le reste, ce sont des papiers de matage, de design, de la déco. Vraiment, c'est hyper simple. Là, on a fait vraiment, une fois qu'on a fait le pliage de la base de cartes et que nous avons fait également le pliage, hop, de la partie pop-up, entre guillemets, eh bien, ça y est, c'est bon. Coucou Gaëlle, ça va ma belle? Voilà, donc vraiment très très simple. Et puis du coup, peut-être que pendant les vacances, si vous avez des enfants ou des petits-enfants à garder, vous pouvez vous amuser à leur faire faire. Ça fait un petit atelier sympa pour eux, ça peut être marrant. Hop. Voilà. Oui, pas de souci pour le replay, tu le sais, il est là tout le temps le replay. Hop là. Ah, mais si, je l'avais préparé, mon papier. Il est là, le coquin. J'ai quoi ? Ah oui, c'était pour l'arrière. J'ai eu un bug. Crapouillot nous a lâché, il n'est pas là aujourd'hui. Bah oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, nous avons besoin d'un morceau de papier ici, de matage, qui est en option, hein. Vous n'êtes pas obligé. D'accord ? Qui lui mesure, j'ai perdu la mesure d'ailleurs, je vais vérifier ça tout de suite pour pas vous dire de bêtises. Ici ça fait 10 et ici 10,5, donc 9 par 9,5 pour le papier de matage ici, d'accord? Vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici. Ça sera ce morceau-là, donc 9 par 9,5. Ok. Alors, hop, je crois que le mien est un petit peu trop long. Donc là, j'ai 9,5 et là,
Aussi. Tiens. Là, j'ai carrément 10. C'est encore mon cerveau fatigué. Ok. Voilà. Donc là, vous voyez, je l'avais déjà embossé donc avec le classeur de gaufrage. Hop. Ça fait des petites taches comme le guépard. C'est très sympa. Donc celui-ci va venir se positionner ici. Je viens le coller. Ah oui, c'est sûrement des problèmes de météo, Muriel, hein, je suis désolée. Bonjour Dominique. Oui, je vous inquiétez pas, hein, quand c'est flou, faut juste laisser quelques secondes à mon Zoom de se remettre. D'aplomb quant à la connexion, malheureusement, avec tout le désir du monde que j'ai que d'avoir la fibre, je ne l'ai pas. Je suis en pleine campagne et malheureusement, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas lutter. La seule chose que je puisse éventuellement vous proposer, c'est de vous déconnecter et de vous reconnecter. Voilà. Donc, je suis sincèrement désolée pour les personnes qui ont des problèmes de connexion. Coucou Hélène, bienvenue. Coucou Fabienne, comment vas-tu? Oui, c'est ça, lui aussi, il a besoin de vacances, Laurence, t'as tout compris, ma belle. Alors, on continue. Je vais venir donc m'occuper de la déco, tout simplement. Ici, j'ai un morceau de papier de matage. Presque. Presque, presque. 10. Par 2,6, qui me paraît quand même très petit, mon truc là. Alors, 10 par 2,6, donc ce sera mon papier de matage qui va venir ici. Mon morceau de papier design qui est ici, hop, qui fait 9,5 par 2,1. Ça y est, c'est reparti les filles. Bonjour Catherine! Voilà, ici tout simplement. Ensuite, j'ai mon autre morceau de papier matage qui va venir se positionner ici. Dix par neuf et demi. Joli jeu de mots, Muriel. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai raté un épisode. Alors, bougez pas. Je sais pas ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai voulu en 10. Voilà, mais bon, tout va bien. Hop, voilà. Donc ça sera notre papier de matage. Le papier design qui viendra se positionner ici, comme ceci. J'ai des demi-centimètres en trop partout. Bon. Pourquoi? Je ne sais pas. Coucou Martine. Oui, tu feras en replay, il n'y a pas de souci. Harmonie se peint les ongles avec les blends. Eh bien non, pas encore, mais pourquoi pas? Allons-y, essayons. C'est flou à flelou. Ah, d'accord. C'est que vous que j'arrive à vous suivre, les filles, hein. Voilà, donc je reste dans les mêmes tonalités de la base de ma carte, donc avec soyeuse succulente, le papier s'y prête parfaitement. C'est ma base de carte qui plante, tu crois? Alors, bouge. Je peux pas ouvrir ma base là.
Je ne sais pas. Je vais revérifier toutes mes mesures ensuite, mais en tout cas, ce n'est pas très grave. Le principe est toujours le même, donc pas d'inquiétude. Oui, bon shopping, Karine. Mon Dieu, je l'ai collé. Il est de travers. Quelle horreur! Oh bah alors là. Oh là 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 là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? La cochonnerie. Bougez pas. Vous n'avez rien vu, je vais recouper un bout de papier. Mon Dieu! On verra presque rien, vous allez voir. Je reprends mon bout de papier. Ouh là 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 là. Que se passe-t-il? Hop! Je fais tout voler aujourd'hui. Et donc j'ai dit 2,6. Voilà. J'ai pas dû regarder quand je l'ai collé. J'ai dû regarder vos commentaires et puis du coup, pouf! Là. Ni vu ni connu. Non, je ne l'effacerai pas pour le replay, ma belle. Je n'ai pas le temps de faire un montage vidéo complet. Hop, voilà. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Voilà, voilà. Hop, ni vu ni connu. Heureusement que ça faisait pas trop longtemps que j'avais collé mon papier. Hop, voilà. Ni vu ni connu. Eh oui, César m'a dit. Ça n'empêche que ça me donne un coup de chaud. Hein ? Déconcentré aujourd'hui ? Non, pas déconcentré. Débordé. C'est surtout ça. Voilà. Bien. Alors, je continue. Où est mon papier ? Hop, là, voilà. Donc, ça va venir se positionner sur le papier ici. Et on va coller ici pour qu'il se rabatte à l'ouverture de notre carte. Ok, avant de coller ce papier design, bien sûr, on vient cette fois coller le fameux pli ici. Oui, non seulement c'est... oui, j'ai besoin de vacances, mais en fin d'année, il y a énormément de choses à gérer pour les enfants, donc voilà, tout se cumule, mais ça va le faire. Hop, et donc on va venir coller ici. Merci ma Sandrine. Le morceau de papier design, hop, qui va rejoindre l'autre ici. Ok ? Ça marche. Ensuite, vous avez besoin d'un morceau de papier blanc de 6,5 par 6,5 qui viendra se coller ici. Avant de le coller, bien sûr, vous pensez à faire votre tamponnage avant, puisque là, sinon vous allez être très embêté par les pliages du papier design. D'accord ? J'aime bien l'envers du papier. La partie que j'ai mis ici, ouais, il est très sympa, c'est vrai. Donc, je viens coller l'arrière, ici. Donc, on s'assure de bien coller, puisque du coup, comme c'est un mécanisme, quand on voit ouvrir et fermer, ça va pas mal bouger. Donc, on fait attention. Voilà, on s'assure de le mettre dans le bon sens. Hop, et on vient le centrer sur notre carte. Voilà, ça viendra comme ceci. Et donc, même principe. Ici, vous voyez, hop, ça va s'ouvrir comme ça. Oula. Voilà. Et tout simplement, je rabats
l'avant de ma carte. Voilà. Et du coup, hop, magie, magie. Voilà. Alors, on y va. On continue. Je vais venir faire l'arrière. Donc là, pour pouvoir écrire votre petit mot, parce que bien sûr, vous imaginez bien que là, ça va faire un peu léger pour écrire un message. Donc, je viens ici mettre un papier de matage, 13, 3 par 10, et un morceau de papier blanc, 12, 8 par 9,5. Merci Laurence. Voilà, comme ça, vous aurez suffisamment de place pour venir écrire votre petit mot à votre destinataire. Oui, c'est ça. T'as tout compris, ma Sandrine. Hop, voilà. Nickel. Comme ça, on a une plus grande place. Merci, Maddy, c'est gentil. Ah, il y a encore plein de petits cœurs qui se promènent d'un seul coup, là. Ah, merci Coco, c'est gentil. Voilà. Hop, ça va s'ouvrir comme ceci. Alors, vous avez vu ici, j'ai mis un super tamponnage. Donc, celui-ci, ce message-là, ne fait pas partie de la collection de félins au naturel. Vous avez vu, je ne me suis pas trompée, hein. Mais il vient d'un autre set de tampons que je vais sortir tout de suite parce que je crois que ma fille est passée par là, n'est-ce pas? Voilà. Or, ceci dit, vous me direz, elle l'a rangé, donc... Soit ensoleillé. Et j'adore ce set de tampons parce que du coup, les écritures, enfin les polices d'écriture sont vraiment très jolies. Et en plus, c'est vraiment des grands messages. Donc pour une carte, je trouve ça super sympa. Je vais prendre juste pour l'envers. Mais oui, oui, tu peux tout à fait le prendre pour l'envers, hein, bien sûr. Il y a des tons beaucoup plus neutres, tu vois, pour celle-ci. Donc, on est sur le ocre roussillon ici. Et puis ici, soyeux succulente, épinette enivrante. Oui, celui-là, moi, je l'adore. Je le trouve vraiment super sympa. Donc, souhait ensoleillé. Donc, je vais le remettre ici. Hop. Je vais le tamponner ici, on va dire que c'est pour un anniversaire. Allez, que ce jour de fête. Hop. Voilà. Je vais rester donc dans les mêmes tons. Allez, en épinette enivrante, ça vous dit? Une des nouvelles incolore de l'année. Mon petit Euron, s'il te plaît, je te vois rentrer tout doucement, mais je t'entends et je te vois. Oui, oui. Ah, bah écoute, je t'ai fait découvrir quelque chose aujourd'hui, ma Fabienne, ça me fait plaisir. Voilà, du coup, c'est parfait comme petite déco à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc, je vais venir recommencer, puisque du coup, hop, il faut penser qu'il faut que je le mette dans l'autre sens. Ceci étant dit, en direct, vous voyez également les choses à faire, mais les choses auxquelles il faut faire attention. Je vois un smiley qui se marre. Vous n'êtes pas très sympa de vous moquer de moi. Voilà. Donc, on fait bien attention. Je me suis déjà fait avoir quand j'ai préparé la première carte, hein, faut le savoir. Voilà. En diagonale, donc, puisque votre papier design est donc bien en diagonale. Voilà. Mais c'est bien aussi, c'est aussi ça, mon rôle,
c'est de vous apprendre à faire des choses et puis de vous faire attention, de vous dire de faire attention aux choses à ne pas faire. Voyons le côté positif. Vous avez tout en direct. Voilà. Hop. Oui, je vois bien que vous vous moquez. Je vois toujours les petits smileys qui rigolent et qui se moquent de moi. Ah là 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 là. Vous êtes incorrigible. Bon, ceci dit, moi aussi. Hop. Ah, bah écoute Fabienne, super. Voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, vous découvrez aussi que dans la collection Félin au naturel, vous avez des tamponnages, des découpes. Ben oui, moi aussi, je vous aime. D'autres petites découpes. C'est sympa, hein ? Qui sont en plus embossées. Et voilà, maintenant, il y a plein de petits cœurs. J'adore, vous êtes trop mignons. Pardon. D'autres petites découpes encore. Très détaillées, vous avez vu, c'est toujours très très travaillé ces découpes. Moi, je suis toujours bluffée par la qualité de ces poinçons qui sont vraiment incroyables. Je ne sais pas trop ce que je vais faire comme déco, mais vous savez quoi, je crois qu'exceptionnellement, je vais vous laisser la surprise et vous découvrirez la carte finalisée après le live au moment du replay. Pour une fois, je crois que je vais faire comme ça. Bon, franchement, vous avez là le plus gros de la carte. Vous vous doutez bien à peu près de ce que ça va donner. Je pense que de toute façon, je vais beaucoup m'inspirer de la première. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ça vous fait deux versions dans deux couleurs. Bientôt, bientôt, vous aurez la troisième version. Je n'ai pas du tout pris la même collection pour la troisième version. Vous aurez la surprise vendredi, vous le savez. Ça sera un total autre univers. Non, 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 pas de smiley qui pleure. De temps en temps, des petites choses qui changent, ça peut aussi faire du bien, je trouve. On change un peu les habitudes pour une fois. Voilà. Bon, je vous assure, je vais rester dans le même principe, d'accord, avec mon petit tigre, etc. D'ailleurs, le petit tigre, par exemple, il y a plein de techniques là-dessus, et puis de petites choses à savoir. Eh bien, ça, je vous propose de me rejoindre sur les portes ouvertes virtuelles, puisque régulièrement, j'en propose, et je mets à l'honneur à chaque fois une collection. Et cette collection, on la découvre entièrement, avec ses petits trucs et astuces, les utilisations de chacun des produits, etc. Si vous avez envie de rejoindre ce groupe, d'ailleurs, on découvre une nouvelle collection demain soir à 18h30. Donc, rejoignez-nous sur le groupe des portes ouvertes virtuelles by Harmony Scrap pour découvrir chacune des collections du catalogue annuel au fur et à mesure du temps. Voilà. Et je vous ferai découvrir plein de petites techniques, plein d'astuces. Et voilà, je pense que ça a l'air en tout cas pour l'instant de plaire aux personnes qui sont déjà sur le groupe. Rachel, oui, non, non, c'est vraiment pas compliqué du tout, du tout, du tout. Fabienne, bah ouais, on évite la routine, donc on change un petit peu. Moi, j'aime bien de temps en temps. Voilà. Voilà, voilà, mais du coup, vous voyez, on a hop, deux versions presque identiques. Le rendez-vous est pris, oui, oui, oui. Donc, demain matin à 10h, le live pour vous parler du programme. Raté, Héloïse. Et puis, demain soir, 18h30, sur le groupe des portes ouvertes virtuelles, by Harmony Scrap, on se retrouve pour une nouvelle collection. Voilà. À cause de mes dernières techniques, d'ailleurs, t'as été obligée d'acheter les pastels. Ah bah écoute, je sais pas si je dois être désolée ou ravie. Oui, Mumu, ouais, c'est demain soir, ma belle.
Ben oui, mon but, c'est de vous apprendre à vous servir aussi des produits, vous montrer des créations pour vous inspirer, mais aussi vous apprendre à utiliser les produits qu'on vous propose. Voilà, c'est aussi ça mon rôle. Voilà. Bien, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir suivi pour ce nouveau live. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de découvrir toutes vos belles créations avec cette carte. Et puis, on se retrouve d'ici quelques minutes pour le replay, la fiche technique, la liste des produits utilisés. Et puis, oui, Louise, il n'y a pas de souci, il y aura le replay, t'en fais pas. Merci Marianne d'être toujours aussi fidèle, c'est très gentil, avec plaisir, coco. Et puis voilà, on se retrouve donc dès demain et puis les autres jours aussi pour plein de nouvelles aventures. Merci beaucoup, beaucoup à tous, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente après-midi. Ciao!